rapport à, vous savez, dans la nuit, l'extincteur, et on est sorti à 4h du matin. Alors, on rappelle, parce que, voilà, ce qui est sorti, on n'en a pas parlé, mais c'est évidemment que certains joueurs seraient sortis, seraient rentrés à 4h du matin, et auraient joué avec un extincteur et auraient déclenché l'extincteur de manière malencontreuse. Dans un restaurant, parce que boîte de nuit, en période de Coupe du Monde, c'est quasi impossible, et pour ceux qui le savent, on a la sécurité avec nous, et c'est quand même très dangereux. Donc, vous étiez tous au restaurant, ou un pas certain tous, nombre pas tous. Pas tous, d'accord. Et on était quinzaine. D'accord. Dans un restaurant pépère entre nous, et quand on est rentré avec l'ambiance, on s'est mis à chanter dans les couloirs. Bon, moi, je me suis mis fidèle à moi-même, mon casque, nu, et je joue à Fortnite. Ah d'accord, ok. Mais dans les couloirs ou... Non, dans la chambre. Et dans le couloir, ça chantait. Et ils faisaient chambre par chambre. Les mecs. Ils tapaient dans la chambre de Steve. C'est-à-dire qu'ils réveillaient ceux qui dormaient. Voilà, exactement. Ils tapaient dans la chambre de Steve et ils chantaient des chants de supporters. D'accord. La chambre des chants aussi? Non, parce qu'on était tous dans le même étage, quatrième étage. D'accord. Et là, je sentais la tempête arriver vers moi. Et ils ouvraient les portes. Et dès qu'il y en avait un qui avait le malheur d'ouvrir sa porte, ils retournaient les lits, les machins. Et... Ah ouais. Ça, on est d'accord que c'est après le match contre l'Argentine, c'est ça? C'est ça, exactement. Exactement. Après l'huitième de finale. Et moi, il s'avère que j'avais pris un extincteur dans ma chambre. Sécurité, on sait jamais. Bon, bah, crime-moi. D'accord. Mais sécurité contre l'incendie ou sécurité contre vos coéquipiers? Contre les gamins, on sait jamais. Et là, du coup, donc je sors pour savoir ce qui se passe. Et là, il y a Benjamin Mendy qui bloque ma chambre avec son pied. Ça, c'est étonnant que ce soit Benjamin Mendy. Et il me dit, non, pour savoir ce que tu fais. Et là, il dit, oh les gars, venez, on va faire halal dans la chambre d'Adil Rami. Quoi? Je suis parti en courant, j'ai dégoupillé l'extincteur. Et là, quand ils sont rentrés, Ghostbuster.